Ah, Louis-Charles, mon frère. Oui, Zizou. Ah, Louis-Charles. Quoi, comment tu vas? Je vais bien, Ruby, merci. Zizou, tu as appelé tout le monde. Connectez-vous, c'est compliqué. Voilà, installez-vous confortablement car aujourd'hui est un grand jour. Louis-Charles, est-ce qu'il peut me comprendre ça? Je te dis, bon, dis-leur de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du mystère qui se cache derrière le port du Kaba au Cameroun. Tu es sûr? Non, Zizou, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on va parler de... Canal d'or. Canal d'or. Oh, Zizou, ça non plus. Aujourd'hui, on reçoit une invitée très spéciale. Notre invitée ce soir est une actrice ivoirienne qui a marqué les esprits. Elle est devenue la coqueluche du net ivoirien et un modèle pour des millions de filles. C'est une femme raffinée. L'influenceuse qui a la femme la plus dangereuse au monde entier. C'est que cette femme, quand tu la regardes, ta femme te donne la paresse. On va tous faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Emma Loès. Emma Lolo. Bienvenue parmi nous, Emma Loès. Merci. Si tu es là aujourd'hui parmi nous, c'est parce que nous voulons apprendre davantage sur toi. Tu sais ça, non? Ah oui. Ok, parle-nous un peu de toi, Emma Loès. Ouais, je n'aime pas me laver. Tu n'aimes pas te laver. Je n'aime pas me laver, c'est pas pour que je n'aime pas me laver. Aïe. Mon général, tu entends ça? Emma Loès dit qu'elle n'aime pas se laver. C'est maintenant toi, tu sais ça? Moi, elle savait pas. Oh. Toi-même, tu connais l'eau. Pourquoi tu me demandes ça? C'est pas moi le sujet de la vidéo. On parle de Emma Loès. J'ai dit, tu veux parler d'Emma Lolo. Mais oui, c'est notre invité aujourd'hui. On ferme ta bouche là-bas là. Mais mon général, tu entends comment ta petite soeur me parle. Et alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Aïe, en tout cas, continue avec d'autres invités. Emma Loès, nous avons eu vent que tu es célibataire, c'est bien ça? C'est ça. Mais comment une belle femme comme toi peut rester célibataire? Les garçons d'Abidjan, il n'y a pas de garçon à Abidjan. Ah, Adama. On a cassé la vérité? On quitte là-bas. Bref, Emma Loès, comme tu as dit que tu es célibataire là, nous on a un prétendant pour toi. Tu es prête? Quand tu veux, mon chéri. Ok, Apoutou, c'est bon, tu peux venir. Emma Loès. Fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Mais voilà. Apoutou, tu rigoles là? Faut pas penser que c'est amusement. C'est d'amusement, dis la vérité. Ok, Apoutou, dis-nous pourquoi il devrait être choisi toi plutôt qu'un autre. Je fais 1m90, 124 kg, 24 cm au milieu des jambes. Tu mens. Ce n'est pas un débat. 24 cm là, c'est beaucoup, hein. Regarde, celle-là, les outils sont là. Tu vas faire comme ça, je vais avoir l'épilepsie même devant les gens. Ok. Tu peux avoir un orgasme comme ça. Faut pas dire les choses comme ça devant les gens. Ruby, faut te calmer, c'est le prétendant de Emma. Oui, Apoutou, continue. Quelles sont tes autres qualités? Je suis un bon gosse, petit. Ah bon? Sauf que mes narines dépassent la plupart de tout ce qu'il y a sur mon visage. Mais ça, là, Emma Loès peut actualiser ça. Elle va actualiser ça comment? Moi, je vais me répondre. Tu peux m'envoyer là où tu as fait tes fesses, là. Ils vont changer mes narines. Apoutou, faut me laisser. Tu connais déjà les plus grands médecins au monde. Les plus grands choro... Ah, Apoutou, calme-toi. Les plus grands... Aïe. T'écouter dans la paresse. Ah, Apoutou, continue avec tes arguments, t'écoute. Je suis comme un lit, trois places. Regarde la gabarit. Yeah, Apoutou. Apoutou, tu y fais exprès ou bien? Mon frère, tu vois ça? Ce sont même les choses qui me donnent envie de boire. Apporte-moi une bière là-bas. Il y a la bière s'emballer si tu veux. Placement de produit, papa, tu es fort. Ah Nathalie, tu connais déjà. La bière Sambalais est une bière 100% africaine brassée en Belgique avec des épices exotiques camerounaises soigneusement sélectionnées. Si vous avez besoin d'une bière naturellement raffinée pour tous vos événements heureux ou malheureux, alors choisissez les bières Sambalais. Vous avez la possibilité grâce au site natexobrass.com de consulter tous les points de vente basés en Belgique et en France. Mais aussi de passer des commandes personnalisées via le site ou au numéro suivant qui s'affiche. Et n'oubliez surtout pas de toujours consommer avec modération. Bref, Apoutou, en résumé, tu dis alors quoi hein? Loès pour la convaincre. Voici mariage cadeau qui est là. Ah bon, hein? Regarde aujourd'hui Coco Emilia qui vient de se marier. Apoutou. L'histoire que tu engages là. Aujourd'hui, le monde entier se pose la question de savoir, mais Emma Loès, tu te maries quand? Avec des relations. Si on ne fait pas relation, on meurt. Si on ne se marie pas, on meurt. Apoutou. Bon, Emma, peut-être tu voulais dire par là que c'est primordial pour une femme de se marier et puis de fonder une famille. Je suis désolée, c'est vous les hommes qui voyez les choses de cette manière. Comment ça? Le premier mari d'une femme là, c'est quoi? C'est son travail. Y a rien de mieux qu'une femme indépendante. Ça, c'est vrai. Ah, bah les femmes pauvres. Quand on doit pas les marier. Ah oui. Bon, pas quand même à ce point-là. On t'a dit qu'un homme a envie de marier femme pauvre. C'est la vérité là qui vous fait mal. Vous n'aimez pas la vérité. Un homme n'a pas à s'occuper d'une femme. Par rapport à quoi? Parce que justement, arrive un moment quand une femme tente trop là, mais toi-même le gars là, tu es fâché. Emma Loès. Que Dieu te bénisse. Il y a des dépenses là même que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux pas penser dans ta tête que tu vas te baisser à un garçon, non. N'est-ce pas? Quoi par exemple? À l'heure où on est là, on demande l'argent à un garçon pour aller payer mes... Je ne demanderai jamais à mon copain, j'ai besoin d'une perruque, je me l'achète. Moi je ne compte pas sur un homme. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui doivent être des femmes battantes. C'est fini l'époque où on faisait croire à la femme que c'était à l'homme
d'aller chercher le pain. Exactement. Donc les femmes, on s'élève. C'est fini l'époque où les hommes... Et je vais vous dire quelque chose. Oui, vas-y, on t'écoute. Quand tu travailles ton argent, quand même un gars te fatigue, ça ne te prend pas beaucoup. C'est vrai ça? Ah, c'est vrai. Mais quand tu es un gay, mais là, tu ne fous rien. C'est là où même le gourmand te fait beaucoup mal. Tu es sûr, Ruby? Tu as vu une femme qui a beaucoup, beaucoup d'argent et trop malheureuse en amie. Ok, oh, on a compris. C'est bon? Je pense que c'est bon. Hein. S'il n'y a plus de questions, mes doudous, je vais rentrer. Ok, oh, mais tu ne peux pas rentrer quand même sans la bénédiction du pasto. Jojo, vas-y. Pasto! Oui! Donne la bénédiction finale, on va. Dominus vobiscus, s'emprintant sorobolambalande de Niria. Amen. Et on n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de s'abonner à ma page et aussi à ma chaîne YouTube. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Moi j'ai trop de problèmes. Oh j'ai vraiment trop de problèmes. Mes amis m'ont trompé. Vivre heureux et mourir jeune. On m'a dit de vendre ma mère. Marché, ni au marché. Il faut dormir au cimetière. Fais cimetière, Gousso.